Allô? Êtes-vous encore affecté par votre dernière investigation? Oh, vraiment pas, merci de demander. Stella! 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 Alors, pour ceux qui savent pas, dans notre ancienne vidéo, on a sauvé 3 femmes âgées d'un bambin meurtrier. Allez voir cette vidéo-là sur notre chaîne, vous allez pouvoir constater nos talents supérieurs d'investigatrice paranormale. Et c'est ça, j'imagine que la personne est inquiète pour nous parce que c'était quand même une grande mission. C'était notre première investigation qu'on publiait en ligne. On l'a réussi, alors je vois pas pourquoi on serait perturbé. Surtout qu'on a appréhendé notre suspect premier, le bambin. Mais merci pour ta question. Notre prochaine question est, comment allez-vous? Eh bien, on a dû déménager à San Myshuno, ce qui était vraiment très excitant pour nous. C'est surtout en fait à cause de Steph qu'on a déménagé. Dans notre quartier, la nuit s'était rendue que j'entendais des cris bizarres. Moi, j'essayais juste de dormir. Ali les entendait pas. Une autre raison qu'on a dû déménager, c'est parce que les personnes âgées que nous avons sauvées nous ont fait retrouver ce qui était très irrespectueux et non professionnel de leur part, alors on devait déménager. Ils peuvent pas continuer à nous visiter comme ça, à nous donner des biscuits, les mettre devant chez nous. Ok, on va aller à la prochaine question d'un de nos abonnés. Est-ce que vous travaillez sur quelque chose de nouveau? C'est sûr que moi et Steph Antombe sommes en très haute demande dans le monde des investigations paranormales. Donc nous avons beaucoup de projets. C'est très difficile de vraiment aider tout le monde qui a besoin de nous dans le monde. Mais récemment, sans vouloir trop révéler, nous avons reçu un courriel de l'assistante du maire de San Myshuno qui trouve qu'il agit de façon un peu étrange. Donc c'est sur ça qu'on travaille en ce moment et on a bien hâte que vous voyez la vidéo. Quatrième question. C'est pas une question. Je pense que Ornithorynque est le meurtrier, pas le bambin. Alors, je savais qu'en fait, cette question allait revenir. Pourtant, ce sujet n'est pas une question, mais on va quand même l'adresser. Et ça va être difficile pour nous d'adresser ce commentaire. Pourtant, c'est certain qu'on doit le faire. Alors, on va y aller maintenant. Effectivement, dans l'ordre des choses, c'est important pour nous de communiquer avec vous. C'est pour ça qu'on fait ce genre de vidéo avec des questions, avec des réponses, avec nos opinions qui sont absolument crédibles, absolument pertinentes, absolument réelles. Jamais on vous cacherait quelque chose et vous savez qu'on est authentique. Sachant ça sur nous, on se doit de répondre à ce genre de questions, même si, comme on a déjà mentionné, c'est pas réellement une question, mais plutôt une affirmation qui atteint notre crédibilité en tant que créatrice et investigatrice paranormale de haut niveau. Bye! Thank you.